une nature presque vierge reconnue pour sa biodiversité. Sa faune, par exemple, est riche en espèces, dont celle en voie d'extinction. Bienvenue dans le delta d'Okavango, zone qui couvre la majeure partie de la Namibie, du Botswana, de l'Angola, de l'Afrique du Sud et de la Zambie, entre autres. Mais la partie namibienne de cette merveille naturelle est en danger depuis le lancement des opérations de forage exploratoire par Renaissance Énergie Africa, une société canadienne. Selon la société, la zone pourrait contenir l'un des plus grands gisements de l'or noir au monde. C'est tout, sauf une bonne nouvelle pour les riverains qui redoutent une destruction de leurs moyens de subsistance. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat qui m'aiderait à m'opposer à cette compagnie pétrolière. Pour les communautés, l'exploitation du pétrole annonce une période d'incertitude concernant l'avenir de leur environnement. Mais elle ignore encore ses effets. Je suis inquiet car je ne sais pas comment se déroulent les opérations pétrolières. Nous ignorons tout de ses effets sur l'environnement. Une chose est sûre, l'écosystème de la région sera fortement touché par cette exploration, aux grandes dames des écologistes. La faune et la flore seront fortement touchées, et la beauté aussi, la nature pure. Le gouvernement namibien se trouve face à un dilemme: profiter de la manne financière que représente l'exploitation pétrolière ou privilégier la protection de l'un des écosystèmes les plus importants au monde.